Orcus Focus présente. Alors vous êtes à la pépinière municipale à Mulhouse et vous êtes dans le secteur conservatoire botanique. Le conservatoire botanique est une cellule du service des espaces verts qui gère en fait la culture d'espèces en voie de disparition en Alsace et dans le monde. Les espèces sont cultivées à l'extérieur parce que comme ce sont des plantes alsaciennes, elles supportent très bien le froid et au contraire, elles ont besoin pour certaines de froid pour bien fleurir. Donc, elles sont cultivées en extérieur. Alors, pourquoi en pot? Parce que tout simplement, c'est plus facile pour la gestion. Quand on a besoin, par exemple, de regarder une plante de plus près ou autre, on peut la rentrer, on peut l'observer. Et donc, on fait des photos aussi de la floraison, on fait des photos de la fructification pour avoir tout le chemin de production de la plante. Et pour pouvoir nettoyer les plantes, parce qu'une plante, effectivement, peut avoir des maladies. Et souvent, le fait de l'avoir en pot, ça simplifie effectivement le problème. On peut prendre l'un ou l'autre pot malade et remettre la plante dans un autre milieu de façon à ce qu'elle se retape. Le but aussi, c'est pas comme dans la production, où on veut que toutes les plantes soient de la même taille, le même volume, la même couleur. Là, au contraire, plus elles sont différentes et mieux c'est. Parce que l'idée, c'est d'avoir une biodiversité génétique maximale, de façon aussi à ce que si jamais on réimplante ces espèces dans la nature, il y a effectivement un brassage génétique qui soit fait ici chez nous déjà au départ, de façon à avoir le maximum d'individus différents dans le milieu qui va être conquis.